qu'est-ce qu'il fout encore là? Il doit être encore en train de flatter son ego devant un miroir. Au pire, s'il est pas là dans la minute, on a qu'à commencer sans lui. Bonsoir. Hé, hey, Clovis Lavis, comment tu vas? Je suis fatigué de devoir gérer tous ces phénomènes, mais à part ça, tout roule. Tu m'étonnes. On les laisse 2 secondes sans surveillance et c'est le chaos sur Terre. Bon, c'est pas fini les conneries, on n'est pas là pour papoter, mais trouver des solutions en vue de la merde qui a été laissée. On n'est plus au Moyen-Âge, on a des moyens pour agir aujourd'hui. Ah chier. Arrête d'être tendu. Des moyens certes, il y en a qui sont encore paumés avec toutes ces nouvelles technologies. Bon, prions. Nous nous retrouvons ici comme chaque année pour inaugurer le sacrifice rituel. Oh Lucifer, toi qui es l'ombre de Dieu et de nous-mêmes. Oh toi, Gabi, qui égaye nos journées et nous fait garder espoir quand la pluie tombe sous nos pieds. Oh toi qui te crois beau, puissant et supérieur aux autres. Tu es juste un bazar sans nom aux yeux des gens. Peu importe ton nom et ton origine, tu es là sans être là et pourtant tout le monde parle de toi. Toi immortel et moi mortel. Je vais mourir, certainement, un jour, peut-être. Je n'ai juste pas encore la date. J'ai écrit ces pages d'angoisse pour ta gloire et la honte. La honte du peuple qui, sous prétexte de la flemme de se faire à bouffer, préfère consommer des plats industriels bourrés d'emballages, dangereux pour la santé et dangereux pour l'environnement. Honte à toi qui ne trie pas tes poubelles. Tu l'emportes. Oh Satan, toi anonyme et obscur, encore pour quelques années, mais le siècle vient, proclame ta revanche. Je comprends pas pourquoi tu veux tout révolutionner comme ça. C'est vrai, on est très bien dans le monde actuel. Le monde actuel? De quel monde tu parles? Celui où on regarde toujours les mêmes images? Celui où on détruit la planète sous le prétexte de l'économie? Ou encore, celui où on enrichit les plus riches et on appauvrit les plus pauvres? C'est ce monde-là que tu veux transmettre? Je pense surtout que le monde pourrait être bien plus beau si tout le monde faisait l'effort de s'écouter et de se comprendre. Esteban, sérieusement. On n'est pas dans le monde des bisounours ici. Les humains sont bêtes comme leurs pieds. On leur a fourni une multitude d'outils. Des soi-disant génies. Pourquoi au final? Bah pour qu'ils causent la destruction de leur propre espèce ainsi que des milliers d'autres. En même temps, ils passent 365 jours à se voir et au lieu de profiter du moment présent, ils préfèrent scroller des conneries sur TikTok et Instagram. De toute façon, je vous avais prévenu. On devrait renvoyer les dragons et les sorcières pour établir l'ordre. Il n'a pas tort. Lorsque nous étions encore présentes sur Terre, nous pouvions au moins réparer les quelques erreurs commises par les humains. Ouais, enfin, jusqu'à ce que la peur de l'inconnu refasse surface et qu'il décide de tout vous éliminer, quoi. Tu parles d'une espèce intelligente? Les dauphins se seraient mieux débrouillés s'ils avaient eu des pouces. Et heureusement qu'on a pu sortir de la Terre et rentrer dans notre milieu sacré. Comme ça, on pouvait les surveiller plus discrètement. Je comprends vraiment pas pourquoi ils ont eu peur. Après tout, vous étiez juste là pour les guider avec Mère Nature. De toute façon, on a toujours su que les hommes étaient racistes, hein. Qu'est-ce que tu fais là? On est en réunion, moi. Ah non, je téléphone à Dieu, vu qu'il a pas l'air de penser que sa présence est requise au sein de notre réunion. Mais pas la peine. Oula! Mais qu'est-ce que je fais ici, moi? Pourquoi on me dérange? Hein? J'étais juste en train de gagner une partie d'échecs contre l'ange. Ouais, elle est bien trop forte pour moi, d'ailleurs. J'aurais pas dû la créer, tiens. Oh. Oh bah, toi, tu la fermes, hein? Bon, tu veux qu'on en parle de ce qui s'est passé le 11 septembre 2001? Putain, si même Dieu ne parle plus la langue de Brière, on est mal barré. Ah, imbécile que tu es, va! Non, mais comment tu lui parles? C'est pas parce que t'es Dieu que tu dois être supérieur à tout le monde, même si je t'accorde le concept. Bon, ok. Tu m'auras cherché. Passe-moi le petit truc noir avec les boutons, là. Merde. Non! Ouais, du coup, t'as fait quoi la semaine dernière? Enfin, du coup, t'es pas soir? Ouais, écoute, ça s'est bien passé. Genre, t'as comme ça, ce qui est bien. T'es quoi? J'arrive, hein. Mais quoi, t'as un signe? C'est un truc. Très belle chemise. Mm-hmm. Très belle fesse. Ça donne envie de les caresser.
faire les claques. Sinon, missionnaire ou le rêve? Ah. Les deux. Ah ouais, t'es comme ça, toi. T'es sérieuse? T'as baisé avec Dieu alors qu'on était en pré-couple? Ça va, abuse pas, on a juste flirté un peu. Ouais, fait un résultat, vous avez causé le crash de 3 avions et tué des milliers d'innocents. Combien de fois va falloir le dire? Le bien et le mal ne peuvent pas avoir de relations intimes ensemble, sinon ça crée des catastrophes sur Terre. Ouais, dire que les humains pensent que ce sont des attaques terroristes. Je tiens quand même à préciser que tout a commencé quand Lucifer était jalouse que papa et moi soyons plus proches. Moi, jalouse? N'importe quoi. Bon, ok. Mais en même temps, toi, t'as eu droit au paradis et à créer tes petits êtres humains décérébrés, tandis que moi, il m'a envoyé en enfer avec des créatures ignobles et le pire de la race humaine. Les enfants, reprenons tranquillement notre séance. Mais en fait, on est là pour quoi? Je sais pas, faut demander aux gosses. Elle a une sacrée imagination quand même. Ouais, à voir comment ça évolue. We're talking about God's will.